Chers anciennes, chers anciens, camarades syndicalistes, camarades responsables ou représentants des médias, je commence d'abord par remercier ces braves anciens qui, depuis 6h du matin, se sont déployés sur le terrain à l'aéroport pour exécuter les instructions qui leur ont été données par rapport à la marche que nous avons voulu tenir ce matin. Depuis donc l'arrêt de cette marche aux environs de 10h, nous sommes tous là jusqu'à maintenant. Il était question, conformément au vœu de monsieur le ministre, conseiller à la présidence, le ministre de l'Industrie, monsieur Thibaut Camara, aujourd'hui, on devrait signer le protocole d'accord pour en finir avec cette crise. Mais qu'à cela ne tient, nous avons eu à travailler sur les différentes propositions faites par la partie gouvernementale et la partie syndicale. Depuis donc ce matin, vous avez vu la présence des responsables de l'USTG, responsable qui était conduit par le secrétaire général, le camarade Aplesso, qui s'est adressé à vous ce matin et qui vous a donné l'information selon laquelle il devrait s'employer pour que nous puissions sortir de cette crise. Donc depuis alors cette heure-là jusqu'à maintenant, nous avons désigné deux représentants du SLEC, plus le responsable de l'USTG, qui ont travaillé avec la partie gouvernementale sur les propositions. Ils ont travaillé, ils ont fait le protocole. Ils ont fait appel à notre avocat, Maître Béat. Ils ont rédigé le protocole. Ils nous ont envoyé la partie à nous ici, au SLEP, pour voir et apporter les correctifs s'il y en a. Et la partie gouvernementale aussi, monsieur le ministre est allé voir le premier ministre. Ils ont corrigé. Et le premier ministre
approuver le protocole. Donc, il était question de faire appel à M. l'inspecteur général du travail pour que nous puissions soit ici ou nous rendre, n'est-ce pas, indiqué par la partie gouvernementale pour que nous puissions procéder à la signature du protocole. Mais à la dernière minute, puisque le ministre voulait à ce qu'on en fixe, mais à la dernière minute, après l'approbation de monsieur le ministre, le président de la République aussi a demandé à ce qu'on aille lui présenter le protocole. Ce qui fait que la signature est reportée à demain. Donc, et le Premier ministre, et monsieur Thibault Camara, demain ils vont aller présenter le protocole au président de la République. Et le matin, on nous enverra l'inspecteur général nous adressera une correspondance nous invitant à la signature du protocole. Donc, j'avais cette information passée. Demain matin, nous allons recevoir la correspondance nous invitant à la signature du protocole. Ceci dit, je demande à tout le monde de rejoindre les familles respectives et à demain, Inch'Allah. Je vous remercie. Bina kare bina mantebe bobadi.